Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger les gars? Est-ce qu'un burger ce serait intéressant? Ou peut-être des frites? Il y a aussi du poulet les gars, du poulet. Aujourd'hui les gars, nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de Alien Isolation. Cet épisode les gars, on va pouvoir voir des choses qu'on n'avait encore jamais vues sur le jeu. De nouvelles peurs vont donc se développer, de l'espoir va donc se créer, de nouvelles rencontres vont se produire. Et du coup les gars, ce qui rend l'aventure un peu plus épique. Sur ces bonnes paroles les gars, je vous laisse regarder tout en kiffant cet épisode. Et sur ce les gars, je vous souhaite un bon visionnage. J'ai vu les gars, vos retours sur le jeu, j'ai vu un petit peu. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont kiffé du coup. Le fait que l'épisode 1 du coup, ils ont beaucoup kiffé l'épisode 1. Et ça les gars, pour ça je vous remercie beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous faire kiffer. On va essayer les gars d'un petit peu avancer dans le mode histoire. Essayer d'avancer un petit peu dans notre quête, dans ce qu'on doit faire. Essayer de voir de plus près l'alien et essayer de nous sortir de là en fait. C'est ça l'objectif, nous sortir d'ici. Est-ce qu'on va réussir à sortir de là? Bien, ça c'est une question que moi-même je ne sais pas. En fait c'est là-bas qu'il y avait le mob en question. Moi avant même d'aller là-bas. On va essayer d'aller vers ici. Et voir un peu ce qu'on peut. Ce qu'on peut retrouver en fait. Moi je vois qu'il y a ça ici. Peut-être que. Je sais pas pourquoi il met des trucs comme ça. J'ai juré les gars. J'ai juré les gars, ça fait trop peur. Les gars, moi je faisais bien la malade quand il y avait Axel hein. Mon meilleur ami là. Là il y aurait un petit chemin. Ouais. Là il y a un petit stuff là. Il y a des petits stuff. Franchement les gars, moi je suis vraiment. Je suis beaucoup plus à l'aise avec des humains qu'avec l'alien qui rôde en fait. Je crois en fait les gars, pour que je puisse être à l'aise moi de mon côté, il faut qu'on tombe au moins une fois sur l'alien. Et une fois qu'on aura découvert l'alien en question, c'est là où moi je pourrais être à l'aise. Parce que là les gars, comment je suis pas du tout à l'aise. Là je n'aime pas du tout ce qui se passe. Les gars, les gars, quand il faut y aller. Non, on peut pas aller là-bas. Qu'est-ce qu'il nous faut? Les PV, c'est tout à fait normal, les gars. C'est comme ça qu'on s'est arrêté. Il y avait un. Oh! Oh! Oh, les gars! Bah alors là, les gars. Mais alors là, les gars. Mais alors là, poteau. Mais alors là, frérot. Carte magnétique. Mais alors là, poteau. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, poteau? On a 6 balles, je m'en tape, j'en ai rien à faire les gars. Moi j'ai mon revolver, maintenant je suis plus confiant. Allez les gars, c'est parti, on y va. Là les gars, il y a plus de galère les gars. Il y a plus de galère poteau. Moi j'ai mon revolver. Moi je termine tout le monde poteau. Viens ici l'alien, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas confiance à 100% tu vois. On sait jamais. Oh. Oh le pauvre. Frérot, tu veux te battre? Non, c'est bon, il est pas là. Voilà. Cherchons, qu'est-ce qu'il y a? Munition. Oh, mais. Poto, mais toi, t'es bien, poteau! S'il est bien, il a juste quelques coups dans. Il a juste quelques petits coups dans. Coups de pieux. Bon. Schéma de grenade, les gars, c'est une dinguerie. Hein. On se met bien là. Tu sais que le queue, ça se fait pas, tu vois, il est mort, tu vois. Frère, il a plus de ventre, il a plus d'intestin. Plus de cerveau, les yeux, frère, ils ont envie de partir. Je le sais, les gars. Y'a rien dedans, y'a rien. Quelle galère. Pas de recharge. J'ai pas tout ce que je récupère, les gars, mais je récupère. Je sais pas si ce que je récupère c'est bien ou pas, mais je sais que je dois récupérer en tout cas. Ça m'a l'air méga dangereux ici, les gars. On s'en tape, les gars. Nous, on a un gun gros. Oh mon sang. La boîte noire. Je le sens mal. Quoi?
qu'est-ce qu'il y a? C'est dangereux ça. Wesh les gars, comment je pars? En haut? Là? Non? Comment je suis censé partir? Je dois faire quoi ça? Ah! Ok, je comprends le truc. Un système en fait à gérer, ok. Ok les gars, réfléchissons. Ok. Techniquement, ok. On voit que ici il y en a deux. 3, 1, 2. Ok, donc là 2. Y a aucune logique là, juste appuie sur ça en fait. Ah c'est ça. Là c'est le donné les gars. C'est ça. Ok. C'est quoi cette dé là? Ça. J'ai un monstre ou pas? Ou je suis une dé? Je suis une dé de fou. Je suis une grosse dé. Ok, le signal. Là. Là. Un E, les gars, ça. Hop là, E, M, là, hop là, et le U, là, voilà les gars, c'est carré les gars, qu'est-ce qu'on gère, on gère le truc, pistolet dans les mains, pistole, parle pas chinois, ok, c'est quoi ça, un G, qu'est-ce que c'est, il est où, il est là, lui, lui et le E, là. En vrai, là, en soi, ce que je peux faire, c'est que je peux revenir dans tout. Enfin, au tout début, tu sais. J'ai récupéré tout ce que j'ai récupéré, tu vois. Les bails qui. Ou lesquels il y avait des portes. Écoutons. Louche privée à l'intention du Marshal Waits. Ici, chief porteur de l'assistance technique. Écoutez, il y a que dalle dans cette boîte noire, Waits. Je sais pas combien d'accords de confidentialité d'entreprise on a bafoué pour en arriver là. À part le logo de la Wayland Yutani et un affichage vide, niette. D'un autre côté. Ces trucs-là sont faits pour durer. Alors soit une personne à bord du Nostromo a fait en sorte que la mémoire de leur unité centrale maman les fasse du système, ou pour X raisons, les données ont été corrompues avant d'arriver ici. Je peux savoir en quoi c'était une tâche prioritaire? Moi je risque rien, j'ai mon gun les gars, je change de FPS moi de base. Moi dans ma vie je joue à Valo frère. Ok là c'est fermé. Oh là déjà. Désactiver le verrou de sécurité, c'est là? C'est là. Okay, peut-être. Oh, mais là, frère, c'est dangereux pour fermer. J'ai un verrou de sécurité à désactiver, les gars. Là, il y a une entrée, mais je suis déjà allé ici, non? On dirait bien. Bon, essayons. C'est pas comme si on avait rien à tenter à part ça. J'ai le signal, alors il nous faut un. Lambda, hop là. Et ça, ok, c'est carré. Là je maîtrise le truc les gars, j'ai compris le système. Et revolver. Ah je suis jamais allé ici en fait. Je récupère pas les coffres. On peut toujours trouver des balles de revolver. Avant toute chose, paf, accès au terminal, on regarde nos mails. C'est trop important les gars, y a pas plus d'infos. Ça qu'est-ce que c'est que ça? Sébastopol n'est plus qu'un trou paumé, la population ne recouvre que 10% de la capacité maximum de la station. Les baies d'amarrage sont désertes et les stores des magasins et des commerces locaux sont baissés. Les commandes pour les androïdes de sexe sonnent mal finies, ont cessé depuis longtemps. Et l'archaïque système IA gouvernant Apollo dérape régulièrement. Y a pas du stuff là par hasard là, un petit stuff tranquille. On est là d'avoir un petit peu de temps. Désactiver le verrou de sécurité. Poteau.
poteau. Waouh. Waouh. Eh bah dis donc. Eh bah dis donc les gars. Fais ça vite, fais ça vite, fais ça vite. J'avais juste oublié les gars la mécanique. Dégage-moi ça. Où cette porte? On taille, poteau. On reste pas là. Ah, attendez les gars, avant qu'on continue. Il faut quand même qu'on réagisse les gars, s'il vous plaît. Il faut que tout de même qu'on réagisse un petit peu à ce qu'on vient de voir les gars. Attends. Moi je fais comme si c'était normal. Le Kemé gros, il est venu devant nous, il nous a touché, il a pas senti. Frérot, revolver, équipé, auto, on y va poteau, on perd pas de temps, on y... Logiquement les gars, selon moi, écoutez bien, selon moi, je pense que tous les humains qu'il y avait ici, il les a tués. Voilà ma théorie, maintenant à voir, allez c'est parti. Moi c'est ce que je pense, hein. Selon moi tous les humains qu'il y avait en haut ils sont morts. Voilà, qu'est-ce que... C'est une dinguerie les gars, wesh. Là je dois bombarder genre ça, je dois courir comme ça là. Je sais les coups, je dois aller. Adieu. Saleté de monstre. Il a des dents les gars, ils sont en argent. Chez le gamin, il frérie. On le sait qu'il prend aucune balle les gars. Jamais remarqué, mais en fait là il y avait un chemin en fait. J'ai jamais remarqué ce petit chemin ici. Ah si, je l'ai déjà remarqué. Au moins je me suis fait tuer deux fois par le Kemé, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette dé là? Laisse tomber mon frère.
Ok. J'ai compris. Trop de bruit, les gars. C'est signé mon arrêt de mort. C'est une dinguerie, les gars, on a réussi. Tous les visiteurs doivent s'enregistrer à la réception. Pourquoi ils ont couru? Veuillez vous asseoir. Quelqu'un va vous recevoir très rapidement. Rien que mais hey, mon nom est Ripley. Amanda Ripley. J'ai besoin de votre aide. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un va vous recevoir très rapidement. Pas étonnant que Simpson soit en perte de vitesse. Je sais pas comment on utilise cette mécanique, donc je vais pas l'utiliser. Mais au moins, les gars, il y a des humains. Au moins, les gars, il y a des humains. Enfin, on retrouve des humains, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, du coup, qu'on retrouve des humains, là. Garde d'accès, aucun risque. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, là? Des mecs, les gars, il y a des gens. Faites confiance à nos lambdas. Toujours disponible, toujours à l'écoute et toujours à votre service. Nos synthétiques sont conçus dans la... Je dois aller au contrôle des communications, c'est urgent. Il s'agit d'une zone interdite. C'est important. Vous voyez pas ce qui se passe? Apollo contrôle la situation. Votre enregistrement est presque terminé. Laissez tomber. Je me trouverai un chemin. Et tout simplement... Ok. Il faut qu'on trouve un chemin, du coup. Lui, il s'en tape. Ça n'est qu'un robot. Bon, au moins, il y a des gens, tu vois. Ils sont pas là pour nous tuer. Pour une fois, tu vois, tu comprends. Pour une fois, frérot, on tombe sur des mecs qui veulent pas nous tuer. Ils nous volent notre bien, carrément. Même si on les attend, on est sûr de mourir. Ramassez le détecteur. C'est une sorte de détecteur. Il a été trafiqué. Elle est forte, la protagoniste, là. Êtes-vous perdu? Non, aucun problème. Il fait peur, lui, hein. C'est quoi ça? Accéder au redoutage. Mais qu'est-ce que c'est que cette truc? C'est quoi ça, les gars? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? L'école, évidemment. Ça, on n'utilise pas. On n'a pas besoin. Ouf, clé à molette, les gars. Je le veux, la clé à molette. Je peux pas l'utiliser, là. Un grand coup de marteau contre des queues, mais ça fait du bien. Accéder au terminal. Hop là. Marie, si jamais t'as ce message, je suis en route pour le centre de communication Sexon. Je ne t'ai pas réveillé. Si jamais t'as ce message, je suis en route pour le centre de communication Sexon. Je ne t'ai pas réveillé parce que je savais que t'essaierais de m'arrêter. J'espère que tu comprendras, c'est notre meilleure chance. Quelqu'un doit rétablir les communications. Il faut qu'on fasse en sorte que le gouvernement sache ce qui se passe. T'inquiète pas, je vais revenir. J'ai pas l'intention de vous laisser tomber, Claire et toi. Et voilà. Et en fait, après cela, des portes sont censées s'ouvrir. Sinon, je dis ça, je dis rien. Quelques portes devraient s'ouvrir, normalement. Et voilà, les gars, la porte est ouverte. En fait, vraiment, les gars, il faut vraiment que ça, on le comprenne très très bien. En fait, ce petit appareil-là, les gars, il ne faut pas le sous-estimer, tu vois. Il est capable de beaucoup de choses, donc à ne pas le sous-estimer. Du coup, poursuivons, les gars, notre petite aventure. On va tricher. On va passer par les endroits les plus ténébreux de l'endroit, du site. Mais écoutez, on n'a pas le choix. Laissez-moi passer. Je dois contacter mon vaisseau. Navré, je ne peux pas vous laisser faire. Ripley, Amanda. Ok. Il veut vraiment pas nous laisser faire. Non, on va forcer cette porte-là. De toute façon, je sais que, en fait, on peut passer par... Je sais qu'on aurait pu utiliser le petit trou, là, entre guillemets, là, pour les valises. On aurait pu l'utiliser, mais d'abord, je pense qu'ici, il y aurait du stuff à récupérer. Ok, je suis vraiment capable de faire un medikit, les gars. On va l'utiliser, je vais juste le consommer. On peut encore en fabriquer. Les gars, on va se mettre au max. On a plus beaucoup de PV. Autant tout utiliser, en fait. Pourquoi on va se casser la tête? Ok, très bien, allez. Poursuivons.
En fait, j'avais pas vu, mais il y a encore lui, en fait. On va se casser, poteau. On va te laisser tranquille. Passons par le chemin qu'il fallait qu'on utilise. Ah non. Ah d'accord, ok. Je suis un peu déçu, là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une dinguerie, wesh. Qu'est-ce que... Aidez. Ok, pourquoi pas. On change de méthode de piratage. Là, on est bien. Laissez-moi passer. C'est moi, Hughes. Vous me reconnaissez pas ou quoi? Écoutez-moi, il faut absolument que je rétablisse les communications longue portée. Vous montrez des signes d'hystérie. Reculez, je vous préviens. Allons, trouvons une solution amiable. Eh hey. Ouais. Ouais. Oh putain. Wesh. Ouais. Ouais. Ok, j'ai compris. En fait, les gars, dans ce jeu, les gars, tout le monde est fou. Tout le monde est dingue. Il y a personne, poteau, qui est gentil. Il y avait que Axel qui était gentil. En fait, quand il a vrai. Franchement, les gars, je suis en train de me rappeler de ce qu'il nous a dit, Axel, les gars. En fait, Axel, quand il nous a dit que c'était son autre jour de chance, il avait tout à fait raison, les gars. C'est quand on remarque tout le monde, toutes ces crapules qu'il y a. Il y a vraiment que des crapules. Là, il y a une caméra. Ça pourrait nous nuire, alors je vais avoir besoin que vous gardiez un œil sur lui. Si jamais un truc intéressant en ressort à Polo, il y a des caméras partout, faut juste que quelqu'un lui dise vers où les tourner. Je suis vraiment le pire agent secret, poteau. Je suis vraiment le pire agent secret. Allez. Ok, c'est bon, c'est carré. On a réussi, les gars, on a réussi. Maintenant, je pense que c'est le retour avec l'alien. C'est ça qui me fait peur, les gars. Le retour avec l'alien. Cœur central des communications. Accès réservé aux employés de Sixon. Oh, les gars, enfin. Enfin, on peut sauvegarder. Sauvegarde ça, sauvegarde ça. Pas de temps, les gars, on perd pas de temps. On va voir si on peut... Il doit pour concentrer la vue lorsque vous êtes quoi. J'ai pas très bien compris ce que ça nous a dit, là. Il a les yeux rouges, lui, les gars. Il est méchant un peu, non? Vous trouvez pas qu'il est un peu méchant, lui? Déjà, dans un premier temps, on va voir si on a le droit de venir ici. Non, non, il a pas l'air gentil, les gars. Il a pas du tout l'air d'être gentil, ce mec. Ils ont pas du tout l'air d'être gentil. On se casse. On se casse. Hop là. Cache-toi, 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 cache-toi. Mais qu'est-ce que... Cours, cours, cours. Cours, poteau. Tu as montré ce nom. Cours. Oh non. Allez, un poteau. Wow.
Waouh. Les gars, franchement, j'ai réussi à me débrouiller pour me sortir de cette catastrophe. Je voulais tester en fait si on avait le droit vis-à-vis des robots, si on pouvait accéder en fait au com. Là, du coup, je l'ai compris. Communication extérieure désactivée, poste hors ligne. Toutes les communications en cours sont suspendues. Oh, super, il manquait plus que ça. Les communications internes sont ouvertes sur certaines fréquences. Il doit y avoir un moyen de contacter quelqu'un de la station. Il devrait avoir un moyen, tu vois. Les mails, les gars. Oh, on peut le pirater? Non, franchement, ça c'est maîtrisé. Je suis Jan Verlaine, capitaine du Torrens. Ah! Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de la Weyland Yutani. Vous détenez la boîte noire du Nostromo. Nous demandons l'autorisation de ce transfert immédiat. Ce que nous, on devait rechercher, les gars, de base, c'était la boîte noire, en fait, que tout à l'heure, le replay avait vu, en fait, avait trouvé. Et en fait, elle était un peu en panique. Il n'y avait rien d'intéressant dessus. Ici, Verlaine du Torrens, c'était quoi ce bordel? Est-ce qu'un membre de notre équipe d'Eva est parvenu à bord? Répondez, s'il vous plaît. L'explosion nous a causé des dégâts. Surtout de l'espace de Sébastopol, nos systèmes seront HS pendant les réparations. Je ne peux rien avancer pour l'instant. Ah, dinguerie. Là, la seule chose dont je vois, les gars. D'abord, on va aller sauvegarder d'abord. J'ai pas envie de tout refaire. La seule chose, les gars, dont moi je vois, c'est qu'on essaye de bait en fait les robots. Qu'on essaye de lâcher un petit message comme ça en soum-soum. Mais je sais pas si c'est possible en fait. On va essayer un petit coup. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on doit aller, nous, concrètement? Au pire des cas, les gars, on va taper une piquette, les gars. Je sais pas quoi faire. Y a pas d'autre solution par taper des piquettes. Je vois que là, il y a 2 entrées. Là-bas, il y a un bail de sauvegarde. Mais là-bas, en fait, c'est... Là, je sais pas. La droite, les gars. Toujours la droite, dans tous les cas. C'est une dinguerie, les gars, c'est une dinguerie ce qui se passe là. Et cours. Où est-ce que je dois courir les gars? Où est-ce que je dois courir les gars? Ici. Mais non, c'est pas le bon endroit les gars, c'est pas le bon endroit. Ça n'est pas le bon endroit poteau, cours. Aïe. Eh frérot, prends-toi ça. Wesh, pourquoi t'as coupé? Bah, mon frère, fallait pas hésiter, poteau. Fallait pas hésiter, les gars, wesh. Vas-y, viens, poteau. Je maîtrise totalement la situation. Les gars, la situation, hop là, je récupère ça. La situation, les gars, je la maîtrise totalement. Il est là-bas. Là, c'est pas possible. Ici. Là. Allô, est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous en prie. Je crois, les gars, je l'ai semé, les gars. Je suis pas sûr de ce que je dis, hein, mais je crois que je l'ai vraiment semé. Allô, est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Hey. Répondez, je vous en prie. Poteau,
Je sais pas ce que c'est les gars, ce qui se passe. Mais j'espère, j'espère que le camion va me lâcher. Vous êtes vivant, ici Ripley. Ripley, c'est l'heure, c'est Ripley. On s'inquiétait. On pensait... J'en suis sorti. Où êtes-vous? Nous sommes actuellement dans une gare de transit, à côté du centre de soins. Entendu. Samuels, écoutez-moi. Vous n'êtes pas à l'abri ici. Cet endroit a été barricadé par Sixon. Leurs putains d'androïdes sont en train de faire un massacre. C'est impossible. C'est contraire à toute la programmation de synthétique primaire. Mais messieurs Samuels, je suppose que Sixon a une conception différente des synthétiques. Et il y a autre chose. Une créature énorme et meurtrière. Ripley, calmez-vous. Quelle créature? Une forme de vie, une espèce inconnue. Une sorte d'organisme alien. C'est extrêmement dangereux. Taylor est... Ripley, Taylor est blessée. Elle a été frappée par des débris lors de la traversée. Dinguerie. Quel est son état? Je ne peux pas la déplacer. Il me faut du matériel de soins. Il faut absolument qu'on nettoie et qu'on soigne et les blessures. Torrance? La radio vient de nous lâcher. Impossible de contacter Verlaine. On est tout seul. Oh merde. D'accord. J'arrive. Je vais vous envoyer une voiture de transit. Soyez patient. Un membre du personnel Sixon va vous assister dans le bras. Merde. Allez, poteau, sors de là! C'est vraiment pas où est-ce que je dois aller. Hein. Là. Là, mon frère, là. Hop là, on sort de là. Ok. Ok, du coup, la situation, les gars, c'est vraiment dégradé. On a compris ce qu'on doit faire. Ok. On peut pas... Malheureusement, les gars, on peut pas... Faut qu'on réagisse. Malheureusement, les gars, on peut pas... On peut pas récupérer notre cher vaisseau. Par contre, ce qu'on doit faire maintenant, les gars, c'est qu'on a un nouvel objectif, c'est qu'on doit retrouver Samuel et Taylor. Ça, les gars, ça, les gars, j'aime bien. J'aime bien pour quelle raison j'aime bien? Parce que, enfin, les gars, on va avoir de nouveaux alliés. Enfin, on va pouvoir arrêter de traîner solo. Malade être safe ici, les gars. Ok, on profite pour regarder les mails. Apparemment, c'est important les mails. Ok, c'est pas trop Paul ici, Nina, Taylor. Ah, c'est carré utilitaire. Ok. On peut pas utiliser le utilitaire. Ok, les gars, on se casse. On rechange notre petit revolver. Les gars, très utile revolver. J'ai rarement vu, les gars, une arme aussi pratique. Hein. Je vous jure les gars que j'ai rarement vu une arme aussi pratique. Je pensais que on pouvait pas tuer les IA et qu'il nous était inutile de faire quoi que ce soit. Mais finalement, on peut les stun. On peut les stun pendant quelques secondes. Interrupteur GNR engagé. Veuillez rester à Yannia qui est mort. Comment c'est possible? Comment l'IA est dead? Me casse. Est-ce que c'est par là-bas qu'on doit aller? Non, là-bas. Ah, peut-être. Oh, la dinguerie. C'est mort. Alors, poteau. Même pas de blague. Dégage de là, poteau. Viens ici, poteau. Hop là, vas-y, fais ce qui ça. Viens ici. Hop là. Oh, dinguerie. Oh, la dinguerie. Aïe. Lâche-moi. Par tous les IA les gars. Donc je dois vraiment faire attention là. En fait je crois qu'il faut que je fasse. Il faut que je retourne en fait sur mes pas. Et que. Waouh les gars. Il faut
faut que je refasse tout le chemin inverse. Hein. Vraiment les gars, ça serait vraiment dinguerie de faire tout processus en arrière. Franchement, je dois tout. Ça veut dire les gars que je dois tout reprendre, tout refaire. Il sort d'où lui? Il y avait l'alien en question. Il est mieux pour moi de ne pas aller là-bas. Je m'attendais pas à ce que l'alien soit là-bas, les gars. Sérieusement. Sauvegarde les gars, sauvegarde. Au plan sauvegarde. Parle pas chez nous. Je crois que c'était pas par là qu'on devait aller, non. On va quand même y aller parce que dans tous les cas, si on crève, c'est pas un souci. Ah bah si, c'était par ici qu'on devait aller. Faudra juste faire attention parce que maintenant on a les IA contre nous. Il est là. Il faut vraiment qu'il se barre. S'il te plaît mon frère, il faut que tu te barres. Il faut que tu te casses. Bon, ça les gars, que l'alien aussi nous suit entre temps parce qu'on vient de le voir en fait là sur enfin tout à l'heure, du coup on est mort à cause de lui. Mais alors du coup ça veut dire que bah lui en fait il a toujours été là. Ou bien c'est quoi? Le mec qui est présent à côté, il est pas sur nos côtes là pour l'instant, il est là-bas. Regardez bien, il est là-bas. Allez savoir pour quelle raison je passe par là. Mais ici il y a des mails à regarder. Du coup, tapons un petit coup d'œil. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? J'attends un appel et Apollo, veuillez patienter, votre appel est en cours de redirection. Numéro d'appel, allô, mon lambda est un étrange comportement, il n'écoute rien. Il n'y a aucun appel qui a été pris en charge. Tout a été désactivé, les gars. Tout a été désactivé. Il n'y a rien d'activé, les gars. Rien d'activé. Rien. On va checker, on va jeter un petit coup d'œil de ce qu'il y a là-bas. Encore là, d'accord, ok, en fait on est revenu là où on était à l'heure. Ok, on va regarder un petit peu les là, beaucoup de mecs là. Il va pas se casser lui, je voudrais pas partir poteau. Il m'a vu. Il m'a clairement vu. Il est pas très bête, il est pas très intelligent. Casse-toi de là mon pote. Piquette du turfu frérot. On court comme jamais. On n'a jamais couru aussi vite de toute notre vie. Poteau. Accélération d'Mbappé. Mbappé. Oh là là les gars, quelle dinguerie. Allez, ciao les gars. Ciao. Ah, les gars, attendez. Là, il y a un autre problème, les gars, qui... En fait, les gars, là, je viens de réfléchir, mais... Voilà, exactement. Il y a un autre problème encore. Sortir de partout. Si le autre il sort de là, tu vois. Je sais pas comment, mais il peut sortir de là. Il nous suit ce gamin.
Ah, il est encore là-bas, il est encore loin, encore loin. Ah, non, on va pas. On court, poteau. Bon, dis-moi. Quel. Bon, attends, c'est quoi? C'est celui-là qu'on doit prendre? Je sais pas. Eh, frérot. Wesh! Et des mecs! Bon. Les gars, moi je vous laisse tranquille. Faites votre vie. Lâchez-moi la grappe, les gars. Moi j'ai des choses à aller voir, les gars. Moi j'ai des gens à aller rencontrer. Moi je me taille, les gars. Je me taille. Me parlez pas chinois. Je me taille, les gars. Je me taille. Cette station dessert la. Oh, les gars! Les gars, on a retrouvé Samuel! Tyler, poteau! C'est toi, Ripley? Voilà des. Ah ouais! Dinguerie, hein. Reposez-vous, Dora. Comment va-t-elle? Il lui faut un traitement. Le centre médical est proche, mais je ne voulais pas la laisser seule. Je vais aller faire un tour, voir ce que je peux trouver. Oh frère, on a des kits, poteau! Réparer l'amplificateur radio. Et si la créature nous attaque? Cachez-vous. Une faille de sécurité non autorisée a été détectée. Tous les transits sont suspendus sur ordre d'Apollo. Bon bah ok les gars, on a vu beaucoup de choses quand même. On a fait tout un tour de fou folie qu'on a fait. On est arrivé jusqu'à présent avec pas mal de décès. Mais écoutez, prochain objectif les gars, soigner Tyler. Et ça je vous propose les gars que on soigne Tyler dans l'épisode 3.